Je vais maintenant vous montrer comment afficher des cartes VAC dans Navigation de François Fouché. Pour cela, allez sur le site de François Fouché, cliquez sur Aide en ligne et allez à la partie qui traite des VAC et des SIV, la conversion des cartes. Vous pouvez lire tout le texte, tout est expliqué de manière parfaite et en cliquant sur ce lien, vous allez pouvoir télécharger un plugin qui permettra de convertir les fichiers PDF téléchargés sur le site du SIA en image. Voilà, j'ai téléchargé le plugin GhostScript. Il faut ensuite l'installer sur l'ordinateur utilisé. Tout est très simple, toujours cliquer sur Install ou OK. Et une fois que la procédure d'installation est terminée, il faut relancer Navigation. Maintenant, nous allons charger la navigation qui va de Perpignan à Carcassonne. Et nous allons demander au programme de télécharger automatiquement tous les documents qui sont sur et autour de la route, c'est-à-dire Perpignan, Lézignan et Carcassonne. Ceci se fait à travers le menu Outils, Documents, et il faut choisir sur quelle largeur autour de la route on souhaite télécharger ces documents. Ici, je vais choisir 10 nautiques. L'option ayant été paramétrée, retourner dans Documents et télécharger tous les documents. Voilà, une petite fenêtre s'ouvre et indique quels documents sont chargés. Donc la carte VAC de Carcassonne, de Perpignan et de Lézignan. Après avoir cliqué sur OK, on se rend compte en effectuant un clic droit sur Carcassonne, par exemple, qu'il est possible de voir les documents de Carcassonne. Ce que je fais actuellement, Acrobat Reader s'ouvre et permet de visualiser le PDF. Encore plus intéressant, il est possible d'afficher cette carte VAC directement dans la fenêtre de navigation. Donc, grâce à la petite flèche, je zoome sur Carcassonne un petit peu. Et dans les options, je vais dans l'onglet Documents, utiliser GhostScript et convertir les fichiers, ce qui me permet de convertir en image les quelques cartes VAC, les trois actuellement, qui sont en mémoire dans l'ordinateur. Donc Carcassonne, Perpignan et Lézignan. Ceci n'est à faire que la toute première fois qu'on utilise GhostScript. Les fois suivantes, à chaque fois qu'on chargera une carte VAC, un PDF, eh bien, elle se convertira automatiquement. Et bien là, comme par magie, sur nos données vectorielles, s'affiche la carte VAC de Carcassonne, ainsi que celle de Perpignan. Il est possible d'enlever l'affichage en cliquant sur la case à cocher carte. Mais en zoomant, nous nous apercevons que aussi par-dessus cette carte générale s'affiche la carte du terrain, avec le sens du tour de piste. Il est possible d'afficher grâce au menu Outils lieu la carte de Perpignan de la même manière en tapant LFMP puis sélectionner. Voilà, la carte de Perpignan s'affiche et de même on a la carte du terrain ainsi que la carte d'approche avec les points report VFR. Grâce au menu Documents, il est possible de les mettre à jour, de toutes les retélécharger, voire de télécharger tous les documents disponibles en France sur le site du SIA, ce qui permet d'avoir un classeur à jour. Si l'on sort du programme Navigation et qu'on ouvre l'explorateur de fichiers, en allant à la racine d'installation de Navigation, donc C, Programme Files, Foufou, on retrouve un répertoire qui s'appelle VAC, dans lequel se trouvent les cartes VAC qui viennent d'être téléchargées, ainsi que les images qui ont été créées.